Est-ce que Antoine Griezmann est une légende de l'équipe de France? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'Antoine Griezmann, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est pour, on est parti. Alors, les gars, est-ce que Antoine Griezmann est une légende de l'équipe de France? Pour moi, non. Même Karim Benzema, les gars, Karim Benzema, qui a fait des choses incroyables avec le Real de Madrid, n'est pas une légende de l'équipe de France. Benzema, c'est une légende au Real de Madrid, mais ce n'est pas une légende en équipe de France. Griezmann, les gars, c'est un mec qui a fait beaucoup de choses, mais pour moi, il est très loin. Il est vraiment très loin d'être une légende. Pour moi, les légendes, c'est Michel Platini, c'est Zinedine Zidane, et peut-être Kylian Mbappé, s'il continue sur cette lancée, mais pas Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, malheureusement, il est bourré de talent, mais je trouve que il manque encore un petit truc pour qu'il atteigne le sommet des jeux comme les Zinedine Zidane, les Michel Platini et j'en passe. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Benzema aurait pu l'être, mais Benzema n'a pas joué pour l'équipe de France longtemps. Donc, ça va un peu le défavoriser. Dis-moi tout et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Donne-moi ton ressenti. Ciao, ciao!